Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Veuillez vous asseoir. Paroissiennes et paroissiens de Saint-Mathias Kalemba Moulouba, la grâce et nos invités avec, quelle est la nouvelle? La bonne nouvelle, la très bonne nouvelle qui nous rassemble en ce jour béni où les écluses du ciel s'ouvrent pour la Vierge Marie. Écoutons attentivement M. Barthélemy Atiwa, premier vice-président laïque du conseil pastoral paroissial de Saint-Mathias Kalemba Moulouba. Au nom du très révérend Père curé Thierry Michel Mobio et en votre nom, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous nos invités. Que le Seigneur, qui a guidé vos pas dans cette église, vous accorde des grâces en abondance. Mon intervention va porter essentiellement sur la présentation des nouvelles installations de notre église, à savoir l'autel, la grotte mariale, la stèle de Saint-Mathias Kalemba à Molomba et les carreaux fraîchement posés. L'autel dans l'église, c'est la table ou la pierre sur laquelle la messe est célébrée.
L'autel, c'est aussi le Christ, notre Seigneur. Il a lui-même dit, « Je suis l'autel, la pierre, et le prêtre et la victime. » L'autel de Saint-Mathias, que nous présentons ici, est conçu en béton armé pour traduire la puissance et la solidité de la prière. Il est recouvert de marbre en bas, des carreaux en haut et au milieu des carreaux, des quartz rouges pour distinguer l'endroit où seront posées bientôt les reliques de notre saint patron lors de la consécration de l'Église. Je vous invite à découvrir, bien-aimés, l'autel de Saint-Mathias Kalemba Molomba. Merci. Nous passons maintenant à la grotte mariale. Quelle est celle-ci? Belle comme la lune, éclatant comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Notre grotte mariale résulte d'une technique mixte, façonnée avec du plâtre associé à une image en deux dimensions qui donne une sorte de profondeur appelée trompe-œil. C'est une juxtaposition de deux techniques qui donne une troisième dimension à celui qui l'observe. La Vierge ici installée nous donne cette sensation de grotte mariale qu'on voit habituellement avec une dominance de couleur bleue. Ce sont les couleurs naturelles de la Vierge Marie, auxquelles on a ajouté ici un peu de couleur terne pour rappeler notre attachement à l'Afrique. Chers paroissiens, admirez et contemplez notre grotte mariale. Merci. Nous passons à la stèle de Saint-Mathias Kalemba Molomba. Elle se trouve dehors, vous pouvez la regarder sur l'écran. La stèle de Saint-Mathias Kalemba Molomba est une sculpture en ronde bosse, technique de sculpture en trois dimensions, réalisée avec l'un des matériaux les plus résistants qu'on peut avoir avec ce genre d'ouvrage, la fibre de verre. Elle mesure 1,77 m, rappelant ainsi la grandeur nature du personnage. L'ensemble de la sculpture, c'est-à-dire le socle et la stèle, mesure 2,77 m. L'histoire de la vie de notre saint patron est inscrite sur des parchemins disposés de part et d'autre. Fidèles paroissiens, je vous invite à apprécier vous-même la stèle de Saint-Mathias Kalemba Molomba. La dernière présentation, ce sont les carreaux. Le revêtement intérieur de l'église est constitué de deux types de carreaux. Le chœur et la nef, l'allée principale, sont faits de marbre. Le mur du chœur et les autres parties de l'église sont faits de carreaux simples. Admirons par des ovations la beauté de votre église. Révérend Père, au nom des fidèles paroissiens de Saint-Mathias Kalemba Molomba,
Je voudrais vous inviter à bénir l'autel, la grotte mariale, la stèle de Saint-Mathias Kalemba Moulumba, les carreaux et tous les fidèles venus en grand nombre pour célébrer cette messe de ce matin. Bonne et heureuse célébration eucharistique à toutes et à tous. Je vous remercie. Notre-Dame de la Visitation. Notre-Dame de la Nativité. Notre-Dame de Cana. Notre-Dame de Fatima. Notre-Dame de la Délivrance. Pendant ce temps, Notre-Dame de toute grâce se prépare. Notre-Dame de toute grâce. Voilà les éléments nécessaires réunis que vous demandons humblement de les bénir pour purifier le peuple de Dieu ici réuni. Frères et sœurs, bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide afin que nous demeurions fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Dieu éternel tout-puissant, tu as voulu que l'eau, source de vie et principe de pureté, lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau
pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'esprit et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, dans ta bonté, daigne bénir ce ciel que tu as toi-même créé. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux mauvaises pour les assainir et les rendre fécondes. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra cette eau mêlée de sel, les attaques de l'adversaire soient repoussées et que la présence de ton esprit nous protège continuellement par le Christ notre Seigneur. Première étape de la bénédiction, l'autel du Seigneur. Suivons attentivement dans le recueillement. Deuxième étape de la bénédiction, la grotte et la statue de la Vierge Marie. Suivons de la prière également cette étape. Cette procession est faite par des retentissants des quatre grandes régions de Pâques éclatées. Le roi, venu du Grand Nord et Est, est porté par quatre guerriers venus des grandes régions du Sud, du Centre Afrique Monde. Le tout précédé par des éclaireurs et des danseurs venus du Grand Ouest. Ce quatuor, formé par ces régions, symbolise d'une part les quatre évangiles qui relatent la vie de Jésus-Christ, la parole vivante du Père, et d'autre part, la solide fondation de notre belle Église en ces grandes région construite par la charité des dites grandes régions. Nous suivons attentivement. Accordons la parole de vie et chantons avec la chorale
le chant alléluiatique. Saint-Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et se cria d'une voix forte. Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui fut dites de la part du Seigneur. Marie dit alors, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint son nom. Sa miséricorde se tend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. Veuillez vous asseoir. Paix et joie. Lorsque on vit constamment dans les grâces de Dieu et qu'on prend conscience que tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, tout ce que nous vivons, tout ce que nous traversons comme épreuve, difficulté et joie, nous nous rendons compte que tout est grâce, tout n'est que pure grâce. Et la Vierge Marie est cette grâce exceptionnelle et merveilleuse que Dieu notre Père
nous a donné pour mieux comprendre les mystères de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, je voudrais lui rendre hommage. Et toi aussi, tu vas lui rendre hommage. Et tu vas sortir ton mouchoir, le vrai mouchoir, mouchoir stické. Tu sors ton mouchoir. Je veux voir ton mouchoir en l'air. Tu sors ton mouchoir. Parce qu'elle mérite qu'on lui rende hommage. Elle était avec nous au début de la construction. Elle est toujours avec nous et elle sera toujours avec nous. Sors ton mouchoir et la chorale va nous aider avec ce chant pour lui rendre véritablement hommage. Je veux voir le mouchoir en l'air, s'il vous plaît. On chante ensemble. Entendre la foule chanter. Sollicite tout temps du micro. Je vais entendre la foule chanter. La mouchoir, 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 la mouchoir. On chante ensemble, avec conviction, avec foi. Tu vas acclamer ta mère, tu vas l'acclamer. Dis à ton voisin, il y a la joie dans cette paroisse. Il y a la joie dans cette paroisse. Salue ton voisin, salue ton voisin, salue ton voisin, salue ton voisin, salue ton voisin. Souhaite-lui la bonne arrivée. Paix et joie, tu vas acclamer une dernière fois la Vierge Marie. Veuillez vous asseoir. Pour écouter la parole de Dieu. Paix et joie. Il est écrit dans la première lecture extraite du livre de l'Apocalypse ceci, et je cite: le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit et l'arche de l'alliance apparut dans le sanctuaire. Mes fidèles bien-aimés, frères et sœurs dans le Christ, nous sommes réunis en ce 15 août 2023 pour célébrer un double événement. Le mystère de l'Assomption de la Vierge Marie et la présentation officielle de l'autel, la grotte mariale, de la stèle de Saint Matthias Kalemba Mulumba et des carreaux fraîchement installés dans cette belle église paroissiale. Quelle grâce! Quelle fierté! Quelle joie! Quelle action de grâce! Ma joie est grande et ta joie est aussi grande car nous avançons tranquillement vers la fin de cette église. Tu acclames le Seigneur pour ça. C'est à ce double événement que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob nous a convoqués ce matin pour nous donner un message de la foi, un message important. Le message de la foi. Et l'Église ce matin nous présente un modèle exceptionnel de la foi. Ce modèle, je voudrais l'appeler la très sainte Vierge Marie qui ne demande que ton acclamation pour elle. Le 1er novembre 1950, après les pétitions de 8 millions de fidèles, 1332 évêques, 83 000 prêtres, religieuses et religieux, le pape Pie XII va proclamer le dogme de l'Assomption devant de nombreux fidèles et évêques en ces termes. Par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ et des bienheureux apôtres Pierre et Paul, nous proclamons, déclarons et définissons que ce dogme est divinement révélé. Que Marie, l'Immaculée Mère de Dieu, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été élevée en son âme et à son corps à la gloire céleste. À la gloire céleste. Fin de citation. Oui, Marie est vierge, avant, pendant et après la naissance de Jésus. Oui, Marie a été élevée en son âme et en son corps à la gloire céleste. Et ça, le Seigneur Jésus ne peut le révéler qu'à des privilégiés comme Saint Jean.
Saint Jean dit, j'ai fait une vision. Et dans cette vision, j'ai vu le sanctuaire de Dieu s'ouvrir et l'arche de l'alliance est apparue dans ce sanctuaire. C'est quoi le sanctuaire? C'est quoi plutôt l'arche de l'alliance? C'est qui, si vous voulez, l'arche de l'alliance? L'arche de l'alliance, c'est cette tablette dans laquelle Dieu est présent dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, on peut la remplacer par le tabernacle. Dieu est présent dans sa maison et on peut le déplacer. Ancien Testament, 2 Samuel chapitre 9. Comment ai-je bonheur que l'arche de l'alliance vienne jusqu'à moi? Nouveau Testament, Luc chapitre 1, verset 43. Comment ai-je bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Ancien Testament, 2 Samuel chapitre 11. L'arche de l'alliance demeure 3 mois chez Obed-Edom. Nouveau Testament, Luc chapitre 1, verset 55. Marie demeure 3 mois chez sa cousine Élisabeth. Et Saint Jean dit, j'ai vu dans le sanctuaire de Dieu l'arche de l'alliance apparaître. Un objet va faire quoi là-bas? Un objet va faire quoi dans la maison de Dieu? Cet objet, ce n'est autre que la Vierge Marie. L'assomption de la Vierge Marie, c'est l'apparition de l'arche de l'alliance dans le sanctuaire de Dieu. L'assomption de la Vierge Marie, c'est toute sa vie, celle de l'histoire du salut, qui commence avec le mystère de l'incarnation et qui prend tout son sens par la mort et la résurrection de Jésus. L'assomption de la Vierge Marie, ce n'est autre que sa fidélité à Dieu. Marie est restée fidèle à Dieu jusqu'à ce que Dieu lui donne cette grâce d'être élevée. Si Jésus est monté au ciel, Marie a été élevée au ciel. Je reprends. Si Jésus est monté au ciel, Marie a été élevée au ciel. Marie n'est jamais montée au ciel. Le seul qui est monté au ciel, c'est Jésus. C'est pourquoi l'Église fait la différence. Pour Jésus, l'Église parle de ascension. Jésus monte au ciel. Pour Marie, l'Église parle de assomption. Dieu donne la grâce à Marie d'être élevée au ciel. C'est Dieu qui élève Marie au ciel. C'est Dieu qui fait que Marie subisse une assomption. Jésus lui fait une ascension. Comme ascenseur, on monte au ciel. L'assomption de la Vierge Marie, c'est la grâce suprême que Dieu accorde à la Vierge Marie. Cette grâce, c'est de l'élever au ciel. Marie n'est jamais montée au ciel, mais Marie, par tout ce qu'elle a fait, toute sa vie, qui n'a été qu'une vie de oui et de fidélité au Seigneur, Dieu lui accorde la grâce suprême qui est l'élévation au ciel, qui est l'assomption de la Vierge Marie. Acclame le Seigneur pour ça. Père et joie, l'ange du Seigneur apporta l'annonce à la Vierge Marie. Dieu pouvait rester chez lui à la maison, prendre son téléphone et appeler la Vierge Marie pour dire, écoute, tu seras la mère de mon Seigneur, je m'en fous, si c'est oui ou non, je m'en fous de toi. Paf, accepte. Je vais vous dire quelque chose. Un jour, j'étais là, l'ancien vicaire général, qui est maintenant évêque, m'appelle, il dit, il veut prendre un rendez-vous avec moi. Une nuit, il arrive et on va au bureau. Il dit, c'est l'évêque qui l'envoie. Il veut envoyer un prêtre chez moi. Est-ce que je suis d'accord? Je suis libre de dire oui ou non. On a déjà fini les affectations. J'ai dit, mais l'évêque pouvait m'appeler simplement pour dire non. Je t'envoie un prêtre, il faut le prendre. Et le vicaire général me dit, non, par obéissance, l'évêque délègue son vicaire général pour aller te demander. C'est pas simple obéissance, mon père. Respecte cela. Dieu pouvait rester chez lui là-bas et dire à la Vierge Marie, écoute là, prends mon enfant. Mais non,
par respect à la Vierge Marie, Dieu délègue son envoyé pour aller dire à la Vierge Marie, est-ce que tu veux être la mère de mon Sauveur? Ce n'est pas obligatoire. Tu peux dire oui ou tu peux dire non. Si Dieu même, le Créateur, respecte la Vierge Marie, ce n'est pas nous les gnanfouignables, hein? Nous les plaisantins, ce n'est pas nous. Marie a le respect même de l'ange. Et quand on aime sa mère, on lui fait un cadeau. Un cadeau et son cœur est touché. Et comme nous aimons la Vierge Marie, notre cadeau qu'on veut lui offrir pour tout ce qu'elle a fait pour nous aujourd'hui, c'est la grotte mariale. Cette grotte que je veux que tu acclames très fort. Paix et joie. Mais voici ton fils. Fils, voici ta mère. En Luc chapitre 9, quand Jésus allait sur la montagne pour être transfiguré, il a pris trois personnes. Pierre, Jacques, et c'est la fin qui m'intéresse, Jean son frère. Jean son frère. Et on prend ça pour dire, Marie a eu d'autres enfants après Jésus. Mais si véritablement Jean est le frère de Jésus et ils ont la même mère avant de mourir sur la croix, pourquoi Jésus va dire à Jean qui a sa mère, la Vierge Marie, mais voici ton fils? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ou bien, ça n'a aucun sens. Si Jean est véritablement le fils de Marie, Jésus n'a pas besoin de dire, mère, voici ton fils, fils, voici ta mère. Il est le seul qui s'occupe de sa mère. Et il va mourir. Il confie sa mère à son cousin, à son frère, occupe-toi de ma mère. Je voudrais m'adresser à tous ceux qui vont faire tout à l'heure la consécration à la Vierge Marie. C'est au nom des saints que Dieu vous bénisse sincèrement. Vous avez fait le meilleur choix. De façon officielle, vous consacrez votre vie à la Vierge Marie. Et la Vierge Marie ne déçoit jamais. Jamais. Quand tu dis, Marie, je te prends comme ma mère, Marie te prend comme son fils et elle te présente à son propre fils Jésus-Christ. Tout à l'heure, on va vous remettre la médaille miraculeuse. Il faut la porter. Le pape Jean-Paul II la portait tous les jours. Il s'est consacré à la Vierge Marie. Le jour où ils ont tiré sur lui, quand il s'est réveillé de son coma, qu'est-ce qu'il a dit? Une main a tiré, une autre main a bloqué la balle. Une main a tiré, une autre main a bloqué la balle. C'est la médaille miraculeuse qui a bloqué la balle. Chaque fois que tu porteras la médaille miraculeuse de ce jour-là, toutes les balles qui vont arriver sur toi seront bloquées par la main de la Vierge Marie. Paix et joie. N'enlève jamais ta médaille miraculeuse, mon enfant. Tout à l'heure, on va te la donner. Il faut la porter. Marie visite sa cousine Élisabeth. Je voudrais m'adresser aux mariés d'aujourd'hui. On dit Marie visite. C'est-à-dire, elle sort de chez elle, puis elle s'en va. Visiter. Et sort. Quand vous allez vous marier, monsieur et madame, vous n'êtes plus deux personnes, mais vous êtes une seule. Elle dit quoi? Monsieur, surtout les hommes là, prenez votre femme souvent et puis sortez. Lui bouge les oreilles. Sortez. La monotonie tue l'amour. Il faut sortir. À force de manger plein bad matin, midi, soir, l'amour va fuir. Prends ta femme un jour. Sortez. Sortez.
Allez-y manger charama. Fais-lui prendre de la glace. Il faut qu'elle change un peu. Il faut que son ventre goûte autre chose. Pas toujours la même chose. Foutou sa graine, foutou sa graine, foutou sa graine. Son ventre est enraciné de foutou sa graine. Quand elle reste humaine, c'est rotulo, rotulo, rotulo. Prends ta femme, sors avec elle. Sautez. Après ce qu'elle dit. Tu m'écoutes? Ah, ils vont dire, oh, le père nous fatigue. Non, je ne vous fatigue pas. Prends ta femme, répétez après moi. Les hommes, prends ta femme, répétez. Comment? Ils ne sont pas contents. Prends ta femme. Sois avec elle. Je prends la résolution aujourd'hui. Répétez les hommes. Je prends la résolution aujourd'hui. De manger charama. Répétez bien, attends pas bien. Une fois chaque deux mois. Répétez. Une fois chaque deux mois. Et chaque deux mois. Bon, maintenant, tous les hommes sont dans cette église-là. Il faut dire à sa femme, je t'aime ma femme. Répétez. Ça veut dire que les hommes, dites, je t'aime ma femme. Dites les hommes. On va répondre ça doucement. Tous les hommes, top chrono. Aucune douceur. C'est dur. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de dire ça. Les femmes disent aux hommes, sortez avec nous. Répétez fort. Sortez avec nous. Sortez. Qui a jamais mangé glace? Les hommes là, pour aller s'asseoir pour boire glace, jamais. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de monopoliser sa femme à la maison aujourd'hui. Tiac. Elle écrasa la tête du serpent. Ne jouez pas avec Marie. Hein. C'est un jour avec la Vierge Marie. Mes amis, elle est puissante. Il y a l'ancien exorciste du pape, du Vatican plutôt, lors de sa prière, Satan va lui dire, chaque fois qu'on fait un « Je vous salue Marie », c'est comme si on prenait un marteau pour taper sur sa tête. Il a peur de la Vierge Marie. Il y a un couple qui était très pauvre. Et le mari était humilié par un prêtre dans le temple. Dans sa colère, il va se réfugier dans une montagne et il croise Satan là-bas. Il lui dit, je vais te rendre riche, mais à une condition, tu me donnes ta femme en échange. Voici la moitié de la richesse. Si tu me la livres, je te donne l'autre moitié de la richesse. Le monsieur arrive en ville, il est riche. L'heure de livrer sa femme a sonné. Il dit à sa femme, accompagne-moi. La femme monte sur le cheval avec lui. Ils sont bons. La femme dit, bon, attends-moi, j'allais prier un peu à l'église. Elle descend et rentre à l'église pour faire son rosaire. C'est là que la Vierge Marie va lui donner un sommeil mystérieux. Et elle va porter ses habits. Elle va se faire transformer par la femme et elle va sortir. Pour aller monter sur le cheval et partir. Quand ils vont arriver, quand Satan va voir la Vierge de loin, il va dire non, je vais passer là, non, j'ai perdu, non, je vais passer là. Et la Vierge va l'anéantir. Il a peur de la Vierge Marie. Je vous pose une question simple. Si on dit, tu fais un je vous salue Marie par jour et tu as 10 000 francs. Chaque jour, un et tu as 10 000. Tu fais une dizaine et tu as 100 000. Tu fais un chapelet et tu as 500 000.
Par jour, hein? Tu fais un rosaire et tu as 1 million. Tu choisis quoi? Tu choisis quoi? Comment? Ça veut dire que tu ne travailles pas. D'autres, ils vont faire 5 fois le rosaire. On va 5 millions. Ils vont faire 1000 même avec. Alors, sur le plan de la grâce, quand tu fais un « Je vous salue Marie », tu as 10 000 francs de grâce. Quand tu fais une tiers de chapelet, tu as 100 000 francs de grâce. Quand tu fais un chapelet, tu as 500 000 francs de grâce par jour. Et quand tu fais un rosaire, tu as 1 million de grâce par jour. Mes amis, allons faire le rosaire. Allons faire le rosaire. J'invoque la Vierge Marie qu'elle écrase en ce jour du 15 août 2023 la tête de ton serpent qui est le chômage. Qu'elle écrase la tête de ton serpent qui est la maladie, la malédiction, la sorcellerie. Et que tout se transforme en grâce, santé et paix dans ta vie. Le 15 août 2021, Marie vous a promis la couverture de son église. Elle l'a réalisé. Le 15 août 2022, elle a promis l'installation du tabernacle. Elle l'a réalisé. Le 15 août 2023, elle a promis la pose des carreaux. Elle l'a réalisé. Maintenant, ouvre bien les oreilles. Chaque 15 août est la date de la réalisation des projets de la Vierge Marie. Chaque 15 août est pour moi, Thierry Michel Mobio, la date de la victoire sur tous mes ennemis. Parce que la Vierge Marie accomplit ce que nous avons promis. Maintenant, je vous déclare de façon officielle que la grotte mariale que vous voyez ici portera de façon officielle le nom de Notre-Dame des Victoires. Notre-Dame des Victoires. Que Notre-Dame des Victoires apporte la victoire dans ta vie maintenant. Qu'elle t'apporte la victoire dans ta vie maintenant. Dis merci à la Vierge Marie car cette dame de victoire ne s'amusera pas avec ceux qui vont engager la bataille. Déjà, la bataille a été jouée par avance parce que notre dame de victoire commence maintenant et t'apportera de grandes victoires. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble de grâce et que vous accorde la paix et la santé maintenant et pour des siècles et des siècles. Je vous remercie. Bien. Je vais voir les bougies en l'air, s'il vous plaît. La chorale nous donne un chant pour nous accompagner. Un chant de méditation. Tu as fermé les yeux, tu soulèves ta bougie en l'air. Pour te consacrer à la Vierge Marie. Enlève bien les bougies. Tu chantes ce chant si tu le connais. La bougie en haut. Je crains rien, je crains rien. Parle à la Vierge Marie. Devant mes ennemis, je ne crains rien. Ma confiance est en Jésus. Lui seul est ma forteresse. Mon sauveur est éternel. Je ne crains rien. Je crains rien. Parle à la Vierge Marie. Je crains rien. Importante, la consécration des 100 enfants à la Vierge Marie. C'est en lui seul que je dois ma vie, à Dieu le Fils, Jésus-Christ, et c'est lui seul qui peut reprendre ma vie,
par mon salut est auprès de lui. C'est seul que je dois ma vie à Dieu le Fils, Jésus-Christ, et c'est lui seul qui peut reprendre ma vie, car mon salut est auprès de lui. Ô Jésus-Christ, tu as donné ta vie pour sauver ma misérable vie. C'est pourquoi je te dis merci pour le don de ta vie, signe d'un amour infini. La consécration à la Vierge Marie est un acte libre et volontaire. Je vous pose à présent ces questions suivantes. Voulez-vous librement et sans contrainte consacrer votre vie à la Vierge Marie? Pourquoi voulez-vous consacrer votre vie à la Vierge Marie? La Vierge Marie ne s'impose pas et nous ne devons pas hésiter à renouveler chaque jour ce choix par la prière de Sainte Marie Brillante de Beaufort ou encore par ces mots chaque matin à votre réveil, fréquemment dans la journée et avant chaque communion eucharistique. Je vous invite à réciter cette prière de Louis Marie Brillante de Beaufort. Veuillez vous mettre à genoux pour la prière de consécration. Ô Marie, donnez à chacun de vos enfants qui ont décidé de se consacrer à vous, d'accomplir chaque jour dans un don personnel la volonté du Père. Comme le Père vous a choisi, ô Marie, pour être son enfant immaculé, l'épouse de Joseph et la mère de son fils bien-aimé et de toute l'Église, dans une communion plénière à l'Esprit-Saint, vos enfants bien-aimés vous choisissent aujourd'hui comme mère et reine de toute leur famille et vous consacrent leur âme et leur corps, toute leur activité et tout ce qui leur appartient sans exception. Exercez sur eux votre miséricorde la plus maternelle. Apprenez-leur à aimer toujours plus Jésus et le Père et par eux à s'aimer les uns les autres dans l'Esprit Saint en leur découvrant toujours plus profondément dans la lumière de Jésus, en se respectant mutuellement et en les choisissant chaque jour dans un amour plus divin et plus simple. Ô Marie, donne-leur d'accomplir chaque jour dans un don personnel la volonté du Père pour que toute leur famille témoigne au milieu du monde de l'amour de Jésus victorieux du mal. Amen. Maintenant, chaque enfant récite sa prière de consécration à la Vierge Marie. Ensemble. Je vous choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste. Les pères vont m'aider à donner à chaque enfant la médaille miraculeuse et un chapelet. Ils ont déjà reçu le t-shirt. La chorale nous accompagne sur là. N'enlevez jamais votre médaille miraculeuse. La chorale nous donne un chant pour accompagner cela.
Oscar se mettent debout. Gilbert et Adrienne se mettent debout. Lazare et Solange se mettent debout. On donne un micro là-bas. Ce sont trois couples. Êtes-vous prêts à accueillir les enfants que Dieu vous donne et à les éduquer selon l'évangile du Christ et dans la foi de l'Église? Oui, je le... Oui. 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 Puisque vous avez décidé à vous engager dans le sacrement du mariage, en présence de Dieu et de son Église, donnez-vous les mains et échangez vos consentements. Couple 1, dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour l'aimer tous les jours de votre vie. Oui, je le veux. On n'a pas dit oui, on dit oui, je vois. Tu veux prendre tout en même temps. Prisca, voulez-vous prendre Laurent comme époux et promettez-vous de lui rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour l'aimer tous les jours de votre vie? Oui. Ce consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église, que le Seigneur le confirme et qu'il vous comble de sa bénédiction. Le couple Gilbert et Adrienne, et promettez-vous de lui rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour l'aimer tous les jours de votre vie? Oui. Adrienne, voulez-vous prendre Gilbert comme époux et promettez-vous de lui rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour l'aimer tous les jours de votre vie? Oui. Et promettez-vous de lui rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour l'aimer tous les jours de votre vie? Oui. Solange, voulez-vous prendre Lazare comme époux et promettez-vous de lui rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour l'aimer tous les jours de votre vie? Oui. Ce consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église, que le Seigneur le confirme et qu'il vous comble de sa bénédiction, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Adrienne, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Adrienne, est-ce que Gilbert, il a un joli petit nom? Dis, vas-y. Adrienne, vas-y. Gilbert. Gilberto. Mon amour. Attends doucement. Je te donne cette alliance. Attends, Adrienne, oh. Ouch. Vas-y, Adrienne, allez, vas-y. Vas-y, Adrienne. Gilbert, mon amour, reçois cette alliance, signe de mon amour et ma fidélité. Fidélité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je te donne cette alliance, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Prisca. Laurent, mon amour, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lazare, lève-toi. Mon cœur, je te donne cette alliance, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Prisca. Laurent, mon amour, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lazare. Solange, mon ange, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Solange. Lazare, mon amour, je te donne cette alliance, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, on va maintenant ovationner la coupe qui vient de s'unir. Pour un peu un chant. Vas-y. Gilbert. C'est bon, hé hey. Seigneur, tu les vois, ça, ça. Thank you.
troisième passage, le peuple du Grand Nord et Est. Toi, Seigneur, l'offrande que nous te présentons avec ferveur, et tandis qu'intercède pour nous la bienheureuse Vierge Marie élevée au ciel, que nos cœurs brûlants de charité aspirent toujours à monter vers toi par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée au ciel. Elle est le commencement et l'image de ce qui deviendra ton Église dans sa plénitude. Elle est signe d'espérance et source de réconfort pour ton peuple encore en chemin. Ainsi, tu n'as pas voulu qu'elle connaisse la corruption du tombeau, elle qui a porté dans sa chair ton propre fils et mis au monde d'une manière incomparable à l'auteur de la vie.
C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où la Vierge, Mère de Dieu, a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, nous te prions. Sanctifie ses offrandes en répandant sur elle ton esprit, que devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Salomon Lesoutchet et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur tous enfin, nous implorons ta bonté. Ta bonté sur notre communauté en prière, sur notre pays, la Côte d'Ivoire, le Niger. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour des siècles des siècles. Amen. Tu apprends la main de ton voisin, tu prends sa main dans la joie, avec conviction, et tu vas dire cette prière que le Seigneur nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux. Attrape toujours la main de ton voisin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous t'attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Lève encore plus haut la main de ton voisin. Seigneur Jésus-Christ, a dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne régale pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Me conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour des siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité et dans la joie, tu as fait un à tout de l'Assomption à ton voisin. Le Dieu Père Malin. Voilà, merci là-bas. Celui qui a démystifié le centre. Le Père Malin qui a démystifié le centre. Merci là-bas. Il mérite vraiment beaucoup de respect. Merci là-bas. Regardez le roi, merci là-bas, ça travaille, ça travaille, ça travaille, ça travaille, le chou travaille, ça travaille avec le violet, 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 ça travaille avec le violet, ça travaille avec le violet, ça travaille, ça travaille, ça travaille, ça travaille. Voilà, l'offrande royale, ça travaille, merci là-bas, ça travaille, ça travaille, ça travaille, ça travaille, ça travaille, ça travaille. Le Seigneur soit avec vous. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils né de la bienheureuse Vierge Marie, qui vous comble de sa bénédiction. Amen. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Amen. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, répandez dans la joie de l'Esprit et l'espérance du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descend sur vous et demeure pour toujours. Je voudrais dire merci à l'équipe de la décoration, Maman Blé. Allez dans la paix du Christ. On peut fêter jusqu'à 20h. Alors que c'est comme une sorte de bilan de nos activités. Cette année, nous avons sorti la stèle de Saint-Mathias qui est derrière moi, l'autel du Seigneur et la grotte Maria, ainsi que le carreau. Donc c'est pour nous une occasion de les bénir et de les présenter au peuple fidèle, le fruit de leur effort, le fruit de leur travail. Mais aussi le sacrement du mariage, c'est aussi aider
surtout le mariage collectif. C'est aider ces couples qui n'ont pas assez de moyens de s'offrir un mariage digne de cela. La paroisse les aide pour qu'ils puissent vraiment eux aussi goûter aux joies du sacrement de mariage. Donc c'est une sorte de joie, une sorte de bilan chaque 15 août pour célébrer ce que nous avons promis en début d'année, que tous les chrétiens prennent leur rosaire et prient la Vierge Marie. Ils verront véritablement la puissance de cette femme-là qui est là, qui n'attend que nous pour vraiment nous montrer sa puissance. Nous avons vécu un événement exceptionnel parce que ce jour a marqué l'ouverture, l'entrée dans la nouvelle église où les carreaux ont été posés et où nous avons aussi inauguré notre grotte mariale et nous avons même installé la stèle de notre saint patron, saint Matthias Kalemba. Et ce jour est un jour vraiment inoubliable pour nous parce que ce que nous avons pensé s'est concrétisé. Longtemps nous avons cotisé, mais cela s'est réalisé aujourd'hui. L'Assomption représente pour moi cette élévation, bien sûr, de la Vierge Marie dans les écluses du ciel parce que Dieu l'a voulu ainsi, parce qu'elle a accepté humblement de porter en son sein le Fils de Dieu. Et elle qui est, j'allais dire, pas récompensée, mais qui a cette grâce-là d'être élevée au ciel, pour moi, c'est une démarche aussi à suivre, c'est un exemple. Marcher aussi, selon l'exemple de la Vierge Marie, pour qu'un jour ou l'autre, nous soyons aussi dans les écluses du ciel. Voilà ce qui représente pour moi l'Assomption. Pour ce qui est de la célébration eucharistique que nous avons vécue aujourd'hui, somptueuse a été vraiment cette célébration eucharistique avec vraiment des compartiments que nous avons vécu, quelque chose de vraiment sublime. De la procession d'entrée jusqu'à même à la fête de la charité concernant les Pâques éclatées de région, les quatre grandes régions de Pâques éclatées, en passant par la procession de l'évangélière, surtout la consécration des 100 enfants, vraiment quelque chose de somptueux a été vraiment fait. Bon, j'ai décidé de me consacrer à la Vierge Marie pour en premier temps lui donner ma vie. Parce que, en tout cas, ma vie est ma vie. Mais je me suis consacré pour lui donner ma vie, pour qu'elle m'accepte en tant que son fils, pour qu'elle puisse me faire renaître de nouveau. Je me sens bien. Pour un premier jour, je me sens déjà bien. J'espère que les jours à venir, vont se passer bien.